cher ami parisien, cher ami barcelonais, ou je préfère dire cher fan de Neymar, car après cette vidéo, je pense qu'il y en a qui vont très simplement me lyncher. Que doit faire Neymar pour un jour gagner le Ballon d'Or? Ce jeune phénomène qui, dès le plus jeune âge, on le voyait déjà remporter un Ballon d'Or, arrive déjà vers la trentaine. Il a actuellement 27 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et à ce rythme-là, il ne remportera aucun Ballon d'Or. Car quand il va arriver à la fin de sa carrière, il y aura peut-être encore les deux goals. Et juste derrière, il y aura le Neno là, Mbappé. Donc, que doit faire Neymar? Je vous donne mon point de vue et vous me direz le vôtre dans les commentaires. La vidéo va pas être très longue, mais je me dois d'en parler parce que Neymar, depuis qu'il a mis ce but face au Villarreal, autant avant, pas je l'aimais pas, mais je calculais pas, mais... Ah non! Je sais qu'à ce moment-là, sa grand-mère était décédée suite à un cancer, si je ne dis pas de bêtises. Ça, normalement, c'est... Et je sais qu'il s'était rasé la tête, il avait un bandeau Nike noir. Qu'est-ce qu'il était fort! Oh là 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 là! Il est venu, Villarreal, centre. Il reprend la balle sans que la balle touche le sol. Je sais plus si elle touche le sol. Sombrero, reprise de volée, but. Non, j'ai dit non. Non. Depuis ce jour-là, au nom de Dieu, je respecte Neymar. Au nom de Dieu, j'ai plus jamais manqué de respect à Neymar depuis ce jour-là. Ce jour-là, je dis c'est un bandit. Sinon, il y avait un match contre Valence, là. Toujours quand il était au FC Barcelone. Il y a un joueur, il le pousse à l'extérieur du stade, il tombe. Après le joueur, il l'insulte encore. Maintenant, c'est pas Neymar, il revient. Il commence à chamailler, chamailler. Neymar, le sale qu'il lui a fait juste par la suite. Oh là, j'étais choqué. Il l'a tué. Il a pris son âme. Il a pris son âme, clairement. La question, elle est simple. Mais pour moi, j'ai déjà ma réponse. Est-ce que pour vous, Neymar doit retourner au Barça pour pouvoir un jour récupérer le Ballon d'Or? Ou il pourra récupérer, gagner le Ballon d'Or? Ou un jour, il pourra le gagner au PSG? Personnellement, il y a un truc que j'aime pas avec le PSG, c'est que le PSG n'arrive pas à exploiter pleinement le potentiel d'un joueur. Le PSG n'arrive pas à mettre au meilleur niveau possible un joueur de football. Peut-être que je me ferai lyncher pour ça, mais ma vision des choses, quand tu vois... Matuidi, quand tu vois, il y a un autre qui est parti là. Il y a Lo Celso, mais mis à part Matuidi, Lucas Moura, final. Matuidi, Juventus, j'en suis sûr. Mbappé, quand il va se tailler, que ce soit cette saison, la saison pro, il sera encore meilleur. Mais on le voit clairement, Neymar arrivé la première saison au PSG, ça allait. Il était vraiment bon. Mais la saison suivante, wow, c'était déception, ça. Parce que quand tu vois Neymar du Barça, Neymar du PSG, franchement, je vais te pleurer. Tu vois ce que Neymar faisait au Barça, c'était vraiment une dinguerie. Wesh. Ouh. Dites-moi, hein. Franchement, dites-moi, mais moi, pour moi, je pense que le mieux, ce serait que Neymar retourne au FC Barcelone. Et je pense que lui aussi sait que c'est le mieux pour lui. Un échange Neymar-Dembélé serait la meilleure des choses pour Neymar et pour Dembélé. Et je pense que... Non, pour Neymar et le FC Barcelone. Et je pense que Neymar et le FC Barcelone sont d'accord par rapport à ça. Mais le seul hic, je sais pas pourquoi je tiens sur cette compote de pommes, le seul hic, c'est le PSG. Nasser ne laissera jamais filer Neymar. Mais si Neymar réussit à stayer du PSG, là, on aura droit à un grand Neymar de nouveau. J'en suis sûr et certain. C'est l'erreur qu'il a faite, quitter le FC Barcelone. Juste pour moi, il a rejoint le PSG juste pour l'argent. Je ne parle pas de Messi, c'est pour l'argent. Ni plus, ni moins. Je ne parle pas de Ballon d'Or qu'à cause de... Il serait resté avec Messi, là, alors qu'il est, ça aurait été, j'ai envie de dire, ça aurait fait comme Ronaldinho avec Messi. Messi, il aurait mis bien Neymar. Et Neymar, il aurait pris les rênes de l'équipe par la suite. C'est tout. Bon, alors à la fin de cette vidéo, dans les commentaires, dis-moi si tu penses que Neymar pourra un jour gagner le Ballon d'Or. Dis-moi s'il devrait rester ou quitter le PSG pour se rendre au FC Barcelone ou dans un autre club. C'était Parlons Football. Laisse un like, abonne-toi. Ciao.